Sylvie. Ça va? Ça va? Ouais. Alors, tu pars sur quelle base là? Ok. L'année dernière, je me suis mis trop de pression, j'ai craqué alors. Bon, mais quand même, moins de 9h. Oh non. Je suis vieille moi maintenant. Attends, je suis les deux, hein. Je suis trop vieille. Déjà? Eh ouais. Non, mais on va me faire plaisir surtout. Je pense que moi, c'est pas juste un bon temps, donc c'est moi, c'est mal. Eh bien, bonne route. Merci, à plus. Ça fait combien de fois que tu viens ici? Je sais plus, c'est peut-être 6 fois. Et t'avais gagné en 91, 20 ans. Pour les championnats de France. Et t'avais fait 7 heures? 7 heures des poussières, en tout cas moins de 7 heures. Et aujourd'hui, ton objectif, ça serait de faire? Courir.
Là, vous êtes bien installé sous le parasol, le téléphone, la liste d'inscrits. Chaque année, vous êtes là ou bien c'est une habitude, c'est un rituel? On n'a pas raté une seule année. Une seule année depuis quand? Depuis qu'on est ici, c'est-à-dire depuis 1982. Et donc depuis 1982. Nous les suivons toutes les années. Ouais. Est-ce qu'il y a une édition plus que d'autres qui vous a marqué? Non, pas spécialement, parce que chaque année est différente finalement. Soit par le climat, soit par le nombre de concurrents. Ça change relativement d'année en année. Vous-même, vous n'avez jamais couru? Non. À part quand j'étais tout jeune, le 1500 mètres. Mais j'avais 18 ans. Et vous admirez ces coureurs? Dans le fond, oui. Oui, mais ça a perdu le côté folklore qu'il y avait à une époque. Là, c'est devenu beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sportif, disons. Ah oui, vous estimez que dans le passé, c'était plus folklore, ça veut dire Des gens qui venaient pour s'amuser, qui passaient déguisés, des choses comme ça. Maintenant, tous les premiers, là, ils sont là pour faire un temps. Ce n'était pas comme ça à l'époque. On peut dire ça. Donc la grande époque des Cottereaux, des Belloc, vous vous souvenez de voilà, ça? Voilà, oui. Dans les premiers temps, oui, c'était la grosse rigolade. Là, on voyait, la circulation n'était pas interdite. On voyait les gens qui venaient faire leurs petites préparations, des soupes, du lait, du miel, c'était comme ça. Maintenant, ça a perdu un peu son machin folklore. Donc, vous êtes un peu nostalgique alors? Un peu, oui. Oui. Mais c'est vrai qu'on est monté en puissance et il y a beaucoup plus de concurrents qu'il y avait à l'époque, quoi. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous apprenez tous les chiffres du listing ce soir, vous allez passer de bonnes nuits. Voilà. Merci. De rien. Alors comment ça va? Ça va, c'est dur. C'est votre premier? Oui. Et quel est votre objectif là? L'objectif là, ça va être de finir parce que j'ai très mal aux jambes, donc il faut que ça tienne. Mais en quel temps? Parce que vous êtes pratiquement 70e kilomètre. Ouais, je sais pas, c'est l'inconnu. Là c'est vraiment fini, on verra. Et là vous êtes deuxième? Oui, mais la première est bien en forme, donc je vais essayer de gérer mon effort et puis de me faire plaisir, surtout de ne pas venir dans trop de souffrance, et ça va être dur. Bon là, vous allez bientôt atteindre le dernier quart. Ouais. On va essayer de bien se ravitailler, de faire une montée progressive, tranquille, et puis gérer surtout si les descentes qui font très mal. Depuis le début, je prends que l'herbe, c'est un peu plus souple. I hear it took your mama, stay back and keep the chance. Ain't nobody bulletproof, he's just always out of range, yeah. The thing that you say may be used, stop you running away. I'm bringing you back alive.
Je peux vous dire, je pensais à Mio tous les jours. Allez. Tous les jours, c'est... Dès que j'allais courir, je pensais à Mio. Après, bien sûr, c'était dur. Il fallait faire un choix. Il y avait l'équipe de France. Ça se refuse pas. Et là, Winschoten, c'était dur. C'était une course difficile. On a fini au courage. Et 15 jours après, Mio, j'avais dans la tête, c'est sûr. Mais je me suis dit, si t'es sur tes jambes, tu viendras courir.